Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallout 4. Alors on continue notre épopée post-apocalyptique. On a un petit peu discuté entre deux épisodes là. On va retourner dans cette ville et on va farfouiller un petit peu quand même à droite à gauche les maisons. Notamment on avait trouvé une clé de réserve. C'est vrai que cette clé quand je l'avais vue je me l'étais notée dans un coin de la tête. Et on me l'a rappelé, je me suis dit c'est vrai que c'est le moment d'y aller. Du coup comme ça on retournera à Sanctuary après. Je pense que ça va nous présenter toute une phase de gameplay qui consiste en fait à mettre en place une colonie et à la développer. Et je pense que ces gens-là sont en gros les premiers habitants de cette colonie. Donc je pense que ça peut être intéressant de le mettre en place avant de continuer la quête principale et d'aller à la cité Diamant. Donc du coup voilà, mais on va quand même faire un tour ici. Je suis certain qu'il y a beaucoup de choses à looter. Ah, attendez, je suis équipé de quoi moi comme arme là? Je vais prendre mon petit flingue. Et on va farfouiller un petit peu à droite. Oh, Steampack, Radix, super. On va voir ce qu'il y a à l'étage ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cartouches, des revolvers, des armes de fortune, des cartouches, super. Un coffre mural. Impossible de crocheter ça. Ouais, je suis pas assez bon en crochetage. Je pourrais augmenter. On va jeter un œil. Le moment justement, on va voir. Dans les aptitudes là, non c'est pas ça, c'est T. Le crochetage c'est où? C'est là, grâce à... les... Non ça c'est pour faire les poches. Non non. J'ai cliqué sur je sais pas quoi. Voilà. Le crochetage, où est-ce que ça se trouve? Ça doit être de l'agilité. Pistolero, commando, furtivité... Non, c'est pas dans l'agilité, dans l'intelligence peut-être. Recyclage, pirate, fanat d'armes, infirmier, non, c'est pas là. C'est quoi ça? Nyctalov, vous êtes une créature de la nuit? Je l'avais pas vu celui-là. Ok. Serrurier, voilà. Permet de crocheter les serrures de niveau avancé. Et si on regarde là, c'était du quoi ça? C'est de l'expert. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette deux points. Faut que je mette deux points pour pouvoir déverrouiller ce coffre. Ça me paraît beaucoup investir, même si je les ai les points, ça me paraît beaucoup investir direct pour pouvoir déverrouiller juste un coffre. Donc on va passer. Si je vois un autre coffre plus d'un niveau accessible, on le fera. Alors, on va jeter un œil là-dessous. Vous voyez ce truc là? Bonjour. Alors on va rester discretos. Et on va balader par ici. On va voir. Hein? J'ai entendu des gens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Fangeux à carapace molle, d'accord. Ouf. Bramine. Ok, donc là on a les égouts en fait. Alors, attendez, il n'y avait pas autre chose par là? Il y avait une porte. Wow, 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 wow. Dans quoi je m'embarque là? Un cadavre. Ah. Oh merde. Ah, je suis allé trop loin. Yes. Ah, le tournevis, tu disais on pouvait faire le crochetage avec le tournevis apparemment. Une botte à sandwich.
Ouais. Une cuillère en plastique, super. Un peu d'eau, cool. Une boîte à outils. Des cadavres, toujours sympa. Fais gaffe aux éventuels pièges, qu'on me dit. Ouais, on va essayer de rester vigilant. Et on va voir ce qu'il peut y avoir par ici. Ça bouge par derrière, on dit rien. Pour l'instant, ça va. Je vois pas de piège. Clé à molette et clé anglaise. Qu'est-ce que t'as trouvé, mon gros? D'accord, on est arrivé là, du coup. Ça, par contre, c'est une bestiole. Voilà. Ça, c'est fait. Oh putain, il y en a un autre. Loupé. Loupé. Encore un, coco mon grand. Ouh, ça c'était la tête. J'ai trouvé un médaillon d'ailleurs. Hep là, salut toi. Tyros qui me dit d'aller faire la colonie avant de continuer. Tu penses? En fait, j'ai peur de tomber sur des très grosses bestioles. Parce que je serais certainement pas équipé pour des très grosses bestioles. Qu'est-ce qu'on a par ici? Une espèce de... je sais pas... pomme sucrée. Ouh... ou merde, ça c'était peut-être pas l'idée du siècle. Je pense qu'on va... où est-ce qu'il est mon... voilà, fusil à double canon. Cool. Putain mais... et merde. Putain de zut. C'est peut-être pas l'idée du siècle, ça. Non, c'était absolument pas l'idée du siècle du tout. Arme à énergie, qu'on me dit. Ouais, c'est une bonne idée. On va lui mettre une double couche. Voilà. Où est-ce qu'il est passé? Oups là. Tu peux pas descendre les escaliers ou je rêve? Ah ouais, non mais d'accord, c'est la double dose, elle part en un coup en fait. Voilà. Eh ben ils sont solides ces saloperies. Bon, pauvre toutou, j'ai fait des massacrés. Attention. Ça va mieux? Alors, allez. Ok, bon, on continue. Les cafards. Je pense qu'on va repasser au gun. Oups là. Bien.
Bon, ça me fait remonter à la surface. Bon, allez. Ah, le monsieur me dit sauvegarde, sauvegarde. C'est une excellente idée. Sauvegarde rapide. Bon. Et on est remonté, du coup. D'accord, centre civique. Mais c'est pas un centre civique, les mecs. Ça s'appelle... les égouts. What? La protection nucléaire. Petit budget. Merde! Non, non! Voilà. Bon. Attends, ça, c'est la bestiole qu'on a butée tout à l'heure. Ah, ce bâtiment. On va aller jeter un œil. Il est un petit peu. Ouh, il m'a fait peur, ce con. Qu'est-ce qu'on aurait par ici? Oh, des fusibles. Ça, ça peut être utile, j'imagine, dans le craft. Les caisses, là, y a rien dedans? Non. Ok. Oh, là, il y a des choses. Une canette, une boîte de conserve et du scotch. Alors, le scotch, c'est utile. Je me demande s'il faut pas tout ramasser ce qu'on trouve, en fait. Putain, mais les gens, ils aiment bien les mannequins dans ce jeu, c'est assez bizarre. On n'a pas buté quelqu'un par ici? Si, qui avait été éjecté au bord, là. On va éviter de sauter parce que ça pourrait mal se terminer pour nous. Y'a rien d'autre par là? Non. On ne dirait pas. Tireuse, on ira juste après la colonie, t'inquiète pas. Juste continuer à jeter un œil. Ah! Une église! Viens voir. On dirait qu'il y a des gens qui ont cru que la maison de Dieu allait les protéger contre une explosion nucléaire. J'ai légèrement l'impression que ça ne s'est pas déroulé comme ils espéraient. Il y a un livre là. Un manuel brûlé. Je me demande ce que c'est comme manuel. Ah! Putain, tu peux pas faire attention, Canigou? Quand même, un peu de respect pour les morts, quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'il planquait chez lui, le prêtre? Une arme de fortune, un petit cocktail molotov. Sympa, le prêtre. Coffre fort expert, pas le niveau. Viens voir. Putain, on peut aller super haut, dis donc. Il y a un clocher là-haut? Yes. Ah ouais, là on a une belle vue des environs. Alors ça, c'est le fameux truc qui s'était craché sur le toit du musée. Ah, je crois que j'avais pas récupéré ce qu'il y avait là. Ces trucs là, je les ai pas touchés. C'est quoi cette espèce de structure là? Je sais pas. Est-ce qu'on voit Sanctuary d'ici? Ouais. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? C'est ça la fameuse grande ville? Pas très loin, hein. Prendre des matériaux de construction pour la colonie, on me dit. Ouais, quoi comme matériaux de construction? On me conseille de prendre les points de compétence pour ouvrir le coffre. Bah écoutez. Combien on a de points? On a 2 points justement. Donc si on vient déverrouiller ça, ça, voilà, niveau avancé, confirmer, accepter. Et par contre, je peux pas passer au niveau suivant, parce qu'il me faut niveau 7. J'ai pas le niveau 7, donc de toute façon, ça règle le problème. Impossible de crocheter ça. Voilà, je peux pas le crocheter quand même. Bon, c'est pas grave, on reviendra plus tard.
Bon, ça a l'air bon. Hop là. On va ressortir d'ici. Voyons voir. Il y avait d'autres choses à faire fouiller dans le coin. Il y a pas mal de maisons, mais elles sont toutes condamnées en fait. C'est juste cette fameuse cave, je sais pas trop où elle est. Jeter un œil par là. Ça s'ouvre là? Non, c'est fermé. Là aussi. Toutes ces maisons ont l'air fermées. Non, celle-là est ouverte. On va voir. Il n'y a pas. Là, une petite boîte de drogue. Hop, 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 hop. Brett. Mercenaire des artilleurs. Mercenaire des artilleurs. On va pas aller leur dire bonjour tout de suite. On n'est pas pressé, hein? On va plutôt aller à l'étage. Ah, on me conseille. D'accord. Oh. Fusil de précision. Capsule, cartouche, pistolet, jambière droite en cuir. On va voir. Ouais, mais j'ai déjà mieux. Et l'arme de précision. Fusil de précision. Ah ouh, portée et... Ah ouais. On va s'équiper de ça un peu. Yeah. Ok. Si on veut shooter des mecs à distance, ça le fera bien. En plus, il était bien planqué dans la maison pour shooter sur les gens qu'il y avait là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? Là, il y a un bâtiment bien défoncé, on dirait. Je préfère prendre quand on est... quand on est en... Enfin, ici, un fusil de précision, ça vous sert à rien, quoi. Les ennemis sont trop proches. Par contre, la clé de la cave, je vois toujours pas où ça peut être pour le moment, mais peut-être qu'on tombera dessus par hasard. Ça m'a l'air un peu défoncé par ici. On va voir qu'ici, à l'étage. Rien. Si on veut se battre dans les environs, on sait au moins que c'est bourré de cachettes. L'escalier, il est là. Alors, voyons voir. Ok, donc là, il y avait ça. Ça, on est allé le visiter. Ce qui m'intéressait, c'était ce bâtiment-là. Non, y a rien. Hein. Pas y rentrer. Celui-là, on l'a visité. Hop là. Bienvenue à Manolo B. Ah, il y avait ce grand bâtiment là aussi, mais il a l'air verrouillé aussi, pareil. Ok, bah, tous les bâtiments sont verrouillés en fait. Bon, bon, il y a probablement des choses qu'on n'est pas allé visiter. Comme par ici, tiens. Quoi on dirait? Qu'est-ce qu'il a le chien? T'as trouvé quoi mon grand? Quoi? Bah, tu m'as fait tomber, félicitations. En plus, ah mais attendez, non, cette maison je pense qu'on l'a déjà visitée la première fois qu'on est arrivé dans la ville, non? Peut-être pas, parce que ça je l'aurais pris. Ouais, ça aussi je l'aurais pris. Sachet de capsule. Il n'y avait pas un étage. C'est quoi ça? Hop là, c'est l'heure. Coffre-fort, allez.
Yeah! Génial. Alors, argent d'avant-guerre, bon ça on s'en fout un peu. Arme de fortune, pistolet, on avait déjà un. Ok, bon, rien de très très passionnant, mais sympathique d'avoir trouvé le petit coffre quand même. Bon, bah écoutez, on va faire une pause là. Et puis, prochain épisode, on va, je pense, revenir vers Sanctuary pour aller voir les colons, voir comment ça se passe. Et puis, une fois que ça se sera fait, on ira vers la cité Diamond. Voilà, merci à tous, bonne journée et à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.